Je vais vous présenter les meilleures compétences, selon moi, pour le personnage barbare de Diablo 4. Alors bien entendu, vous pouvez soit recopier ma stratégie, ou soit l'améliorer et la faire à votre propre sauce. Alors en compétences de base, j'ai choisi écorchement, parce que tout simplement ça a des dégâts de saignement, et le saignement dans le jeu, c'est vraiment très 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 OP. Donc toute ma stratégie est basée sur le saignement. Alors bien entendu, vous faites ce que vous voulez, moi c'est juste un conseil. Donc là j'ai mis 5 points de compétences dans écorchement. Ensuite j'ai mis un point dans écorchement renforcé. Et j'ai mis un point dans écorchement guerrier. Ensuite dans compétences principales, j'ai choisi déchirure parce que cette attaque aussi a des dégâts de saignement. Donc ça renforce encore ma stratégie. J'ai mis 5 points de compétences dans déchirure. Là j'ai mis un point de compétence dans déchirure renforcée et un point de compétence dans déchirure violente. Ensuite dans compétences défensives, là je me suis dirigé vers l'accès de colère qui me permet de faire des dégâts d'épine. Donc là je vous montre un petit extrait de ce que c'est des dégâts d'épine. En fait c'est tout simplement des dégâts que vous allez renvoyer aux adversaires quand ils vont vous attaquer. Et ce qui est bien avec cette compétence, c'est que vous n'aurez même pas besoin d'attaquer parce que les adversaires vont venir sur vous et vont tout simplement mourir en vous attaquant. Donc franchement, je vous assure que c'est assez jouissif. Bien entendu, je me suis équipé de certains équipements qui boostent justement cette capacité. Et pour ce qui est des équipements, je vous ferai une vidéo à part que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Alors il faut savoir que j'ai mis 3 points de talent dans accès de colère et j'ai mis 3 points de talent dans robustesse qui augmente aussi les dégâts d'épine. Ensuite, dans compétences de combat, je n'ai rien mis. Je n'ai touché à rien du tout et je suis passé directement aux compétences de maîtrise d'armes. Donc là, je me suis dirigé vers rupture. Donc rupture, en fait, ça va vous permettre de débloquer une attaque qui va carrément enlever le saignement des adversaires. Donc si maintenant vous avez un boss que vous avez genre mis la moitié de la vie en saignement, vous lui faites cette attaque et tous les dégâts de saignement que le boss aura cumulés va complètement exploser. Donc il va subir tous les dégâts de saignement qu'il aura accumulés et ça va lui infliger encore plus de dégâts. Donc pour cette compétence, j'ai juste mis un seul point de talent parce que ça ne sert pas à grand chose d'en mettre plus. Moi je voulais juste débloquer la compétence pour pouvoir l'utiliser et enlever le saignement d'un seul coup de toutes les accumulations de saignement que j'aurais infligées au boss. Ensuite j'ai mis un point de talent dans rupture renforcée qui augmente aussi les dégâts de saignement. Et j'ai mis un point de talent dans rupture de dueliste qui là va carrément me redonner de la vie quand je vais utiliser cette compétence. Et j'ai mis un point de compétence dans brise genou qui va me permettre de ralentir les ennemis de 10% qui sont sous l'effet de saignement. Et pour finir dans la compétence ultime, j'ai tout simplement continué ma stratégie sur le saignement et j'ai sélectionné Maelstrom d'acier qui me permet de faire une attaque ultime et d'augmenter aussi mes dégâts de saignement. Et j'ai mis un dernier point de talent dans acier primordial. Donc voilà pour les meilleures compétences selon moi. Après, si vous avez d'autres conseils ou d'autres astuces ou même des meilleures stratégies, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour partager votre savoir et votre stratégie avec la communauté et moi-même.